your ginger. Awele, I may be your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, I may be your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. Le chef des chefs, après vous, c'est vous. Maman, bonjour. Papa, bonjour. Après vous, c'est vous. Votre habit brille. Vos chaussures brillent. Le chef des chefs, le roi des rois. Oui, 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 oui. Vous aimez, n'est-ce pas? Le roi des rois. Le chef de le chef. Après vous, c'est vous. Le chef des chefs. Si vous aimez pas ça, laissez-moi pleurer pour Ça suffit. Ce job est pour une ménagère et non pour une comédienne. Nous avons pas besoin d'une comédienne. Bébé, calme-toi. C'est vrai qu'elle est drôle, mais on devrait quand même l'écouter. Comment t'appelles-tu? Maman, vous pouvez m'appeler Ichaouere de Ngori parce que je suis pas loin de Ngori. Dans les jours normaux, vous pouvez m'appeler Aouere. Ok. Sais-tu pourquoi tu es là? Oui, madame. Le travail de ménage. Je sais que j'agis beaucoup, mais madame, maman, c'est ce que je fais pour vivre avec. C'est ce que je fais normalement. J'ai travaillé comme femme de ménage 6 ans. Quand le papa n'est pas là, je prends les confessions, je garde. Je peux faire n'importe quel travail. Penses-tu que tu es meilleure que ceux qui sont déjà passés avant toi? Maman, c'est à voler que je fais. Un instant. Merci maman, merci papa. Tes habits brillent, tes chaussures brillent. Que Dieu vous bénisse papa. Merci monsieur. Et vous, dégagez ici, dégagez. Allez, partez. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. Et tu es sérieuse? Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai pas demandé mon avis avant de l'employer. Ton consentement? Oui. Mais tu étais présent, chérie. De quoi parles-tu? Hein? Je ne te comprends pas. Elle n'était pas mon choix. Je veux quelqu'un de sérieuse et de concentré. Pas quelqu'un de non présentable. Impossible. Oui. Ah, chérie. Elle n'est pas sensée, consciente et de bonne attitude. Bébé, cette fille est intelligente. Elle a en plus 6 années d'expérience avec elle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es sérieuse là? Bien sûr. 6 ans, comment tu es sûre par rapport à ça? Écoute, j'ai un héritage à préserver et une réputation à protéger. J'ai pas besoin d'un clown dans cette maison. Eh bien, la seule chose que je remarque ici, c'est une personne condescendante. Qu'as-tu dit? Je suis désolée, bébé. Attends, bébé. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vois juste une âme pure à qui on devrait donner sa chance. En plus, un peu d'humour dans cette maison ne ferait de mal à personne. Oh, waouh. Je suis pas drôle. Tu sais très bien ce que j'ai voulu dire. Je veux dire un peu plus d'humour. Pas drôle. Ce n'est pas un grand problème. Je ne sais pas pourquoi tu t'emportes. Tu veux t'amuser? Non, chérie, arrête, ne commence pas. Non quoi? Non, je bébé, dois arrête. Te punir pour cela. Ok, tu as raison, ça va.
sugar, bring up your ginger. Awele, now maybe your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, now maybe your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face show, your shoe shine, no time for say them say. Your face show, your shoe shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. I go blow siren for you now. We want, 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 we want. Make I cry for you. Now you be mama, yeah. Now you be papa, yeah. You go shine now, shine like morning star. Make I shout for you. Onto Colos. Awele, Awele, pourquoi le petit déjeuner n'est pas servi? Bé, Awele, chérie, je serai en retard. Je vais prendre quelque chose à manger en chemin. C'est quoi ce visage? Depuis que tu travailles sur ce nouveau projet, tu as à peine le temps pour moi. Tu ne manges même plus à la maison. Et souviens-toi, chérie, que manger à la maison ramène toujours l'esprit de à la maison. Je sais ça. Tu sais que je mange toujours à la maison. Même si tu devrais comme... Sorry alors. Je te promets de tout mon cœur. Je vais plus rater encore le petit déjeuner. Es-tu sûr? Promets. Es-tu vraiment sûr? Regarde comment tu es jolie. Souris alors. Promis, d'accord. Bébé, tu vas être en retard. Merci. Awele? Awele? Où est-ce qu'elle est encore passée? Awele? Se passe ici. Awele, Awele. Ah, tes chaussures bruit. Hé, maman. Le petit déjeuner est déjà prêt. Non, Awele, ne me dis pas que j'ai engagé une alcoolique comme domestique. Une alcoolique, ah, Awele, non, donc tu prends de l'alcool. Moi? Ah, je n'ai jamais pris l'alcool de ma vie. Oh. C'est juste cette boisson que je consomme. Ah, et quelle est la différence? Ah, ah, maman, ce que je prends là, ce n'est rien. Ça me soigne, ça soigne même la maladie. Et parfois même là, je prends ça pour avoir des inspirations. Peux-tu perdre ton travail? Si mon petit ami apprend que tu es une alcoolique, tu seras juste renvoyée. Non, j'ai juste... Je ne veux plus jamais que ça se répète. Oui, madame. Ai-je été claire, Awele? Oui, madame. Allez, nettoie-moi ça, s'il te plaît. Ah, maman, c'est ce que j'ai en train de faire. Maman, je viens avec le petit déjeuner. Ah, j'avais couvert ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qui a touché à ma boisson? Hein? Ah, ah, maman, qui a bu? Qui a bu mon boisson? Qui a bu mon boisson? Quelqu'un a bu mon boisson? Oh? Ce n'est pas amusant. Oh? Qui a pris mon boisson? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, où elle est? En tout cas, tu as bien fait. C'était un bon boulot. On a vraiment apprécié. C'était bien, mon fils. Garde-vous, chef.
Après vous, c'est vous. Celui qui vient à votre attaque sera attaqué. Votre chaussure brille, vos habits brillent. Le chef des chefs, le roi des rois. Papa, laisse-moi jouer la sirène pour vous, la sirène. Oui, 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 oui. Papa, vous sentez ça? Garde vos chefs. Après vous, c'est vous. Celui qui vient à votre attaque sera attaqué. Un homme café n'est pas un homme libre. Moi, je vois la vie. Votre chaussure brille, vos habits brillent, le chef des chefs, le roi des rois. Garde vos chefs. Après vous, c'est vous. Celui qui vient à votre attaque sera attaqué. Brille, le chef des chefs, le roi des rois. Il est mort, ma. I'm going to go to the house. I'll go. Here. I'll go. Maman, c'est parce que vous n'êtes pas Igbo. Parce que normalement, là, c'est ça que j'utilise pour saluer les grandes personnes. Ah, mais je ne peux pas avoir ce comportement quand tu travailles pour quelqu'un. C'est vraiment irrespectueux ce que tu viens de faire. Ne sais-tu pas que c'est... Maman, vous voyez ce travail. C'est ce que je faisais avant de trouver ce travail. C'est ça qui me donne la joie. Ok, mais c'était avant. Ah oui, tu ne peux pas avoir ce genre de comportement quand tu travailles pour quelqu'un. Si mon fiancé était là, il t'aurait déjà renvoyé. Je t'apprécie bien, c'est pour ça que je te conseille. Ah oui, ne refais plus cela. Maman, ça c'est pour vous. Maman. Tenez ça. C'est comme ça qu'on fait ce genre d'argent-là. On ne bouffe pas ça, tu dois partager avec les gens. Thank you.
Hé, hey, maman. Hé, hey, papa. Viens là. Allez, concentre-toi, retourne au travail. Quoi? Comment être concentré avec ce joli corps en face de moi? Impossible. Tu sens trop bon. C'est pourquoi je pourrais jamais avoir assez de toi. Tu vas me manquer. Vraiment me manquer. Bébé, je serai de retour bien vite. Tu es obligé. Bien sûr que oui. Mes examens approchent, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que j'y aille. Mais écoute, bébé, je t'aime. D'accord? Je veux que tu saches que je suis reconnaissante de t'avoir. Je t'aime encore plus. Vraiment? Alors montre-le-moi. Montre-moi comment tu m'aimes, chérie. Just to be with you every day. But wait a minute. What if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely. It will break me. I'd rather stay here with you in my arms. Hello, my love. Are you there, my love? My sugar love, my love. Everlasting love, my love. Ah, Willie. Awele! Je me mets en route maintenant. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit. Prends bien soin de cette maison, Awele. D'accord? Et toi, prends bien soin de toi. D'accord? Par ici. Je t'aime aussi. Et moi encore plus. Tu vas vraiment me manquer. Tu vas me manquer. Regarde comment tu es jolie quand je dis je t'aime. Ah, allons-y vite. Ok, ok. Ah, Willy, prends soin de toi, ok? Au revoir. Allons-y. If I have wings like a dove, I'll fly your way. Just to be with you every day. But wait a minute, what if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely, it will break me. I'd rather stay here with you in my arms. Hello, my love. Are you there, my love? My sugar love, my love. Everlasting love, my love. Hello, my love. Hello, my love. My sugar love, my love. Everlasting love, my love. Hello, my love. Are you there, my love? My sugar love, my love. Everlasting love, my love. Hello, my love. Hello, my love. My sugar love, my love. Everlasting love, my love. Ah, Willie. Awele.
Ah ouais, les... Décroche. Ah ouais, les... Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Madame de ménage n'ouvre pas la porte et ne décroche pas les appels. Vous n'avez pas les clés? J'étais pressé et j'ai laissé mes clés dedans. Ah, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, nous sommes bloqués, ça ne peut ni entrer ni sortir. Et j'ai fermé le portail et la clé est à l'intérieur. Ah ouais, les... Ah, moi, rien ne me dérange. On peut le faire ici, à la cour arrière, même dans votre voiture. Vous avez la clim, non? Ah, on peut le faire même debout ici. Ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est mon argent, oh. Ah. Ah ouais, les... Ah, finalement, ce que je disais. On peut le faire dans la voiture. Je n'ai aucun problème avec... Ah. Dans la voiture même. C'est aussi intéressant. Si vous voulez, on le fait ici, monsieur. Et je n'ai pas réfléchir. De problème avec... Ah, vous ne voulez pas m'écouter. Je n'ai aucun problème avec... On peut le faire ici. Je vais dormir, dors. Plus de bruit. Pourquoi ne prends pas mes appels? Oh mon Dieu! Où elle est? Monsieur? Tu étais où? Tu peux me fermer dans ma propre maison? Non, monsieur, je vous ai pas enfermé dehors, j'étais endormi. Tu dormais? Oui, monsieur. J'étais bloqué devant la porte. Aïe! Je suis désolé, c'est comme ça que les gens de mon village on dort comme ça. Vous dormez comme des cadavres? Oui, monsieur. Même les voisins sont sortis. Hey! Jeff, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous voulez, on le fait ce matin et vous me faites un double paiement. Il fait déjà jour, le temps passe. Dites-moi quelque chose. Désolé, j'ai pas le cash sur moi et la connexion dérange. Donne-moi un peu le temps, je pars me réfléchir et on y va à la banque, je te donne de l'argent. Ça, ce n'est pas un problème. Où est la carte? Compte courant ou épargne? Vite, il fait déjà jour. Ah, chef, donne la carte. Faites vite, donnez la carte, non? Je ne te condamne pas. Je regrette juste de te l'avoir dit. Mais si tu ne me dis pas, à qui est-ce que tu peux le dire encore? Je suis la seule personne à qui tu peux te confier. Donc, ce sont tes réalités. Hein. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Ta petite amie est partie le matin. Et toi, tu as ramené une pétasse la nuit. Je te demande en fait, dis-moi. Tu n'es pas fatigué? Tu n'as pas marre? Assez? Je suis un homme. J'en aurai jamais assez. Je ne passerai jamais une seule, d'accord? Donc, j'aurai jamais assez. Toi, apparemment, tu veux un trophée. Hein? D'accord. Parlons de la femme de ménage, la nouvelle ménagère. Tu dis qu'elle t'a fait dormir dehors, hein, c'est ça. Et tu as passé la nuit dans ta voiture. Maintenant, je demande, dis-moi. Est-ce que quand vous l'avez engagée, ça faisait partie du job?
Tu sais, elle connaît comment faire son travail et elle fait ça très bien. Tu sais, le problème est que elle boit énormément beaucoup, exagérément, mais pas tout le temps. Tu sais, personne n'est parfait, voilà sa part de défaut et j'ai décidé de l'aider. Pas parler de ça. Intéressant. Et de plus, elle est d'accord, ça va faire. Vraiment? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise là maintenant? Comment tu veux que je prenne ça? Comment je... T'inquiète pas. D'accord. T'inquiète. Ah, je ne sais plus quoi dire. Hein. Et oui, tu m'as parlé de ton père. Tu m'as dit qu'il devait venir bientôt et qu'il avait des transactions et des affaires à faire. Ouf. Ici, là, c'est ça? Ou bien? Je connais mon père. Mon père, il est trop prudent. Sur les détails. Sa façon n'est pas la mienne. J'aime faire mes choses. Chap, chap. Donc, pour moi, il est comme un véritable problème. Comme un véritable problème. Maintenant qu'il est là, je suis déjà énervé. Complètement énervé. Mais attends, il est conscient du problème, non? C'est un gros problème. Mais qu'est-ce que vous en faites exactement? Je comprends pas. D'accord, dans la nouvelle école, maintenant, on n'attend pas. Parfois, on doit sauter sur les opportunités comme ça. Je crois que tu es celui qui doit trouver l'équilibre, hein, franchement. Parce que bientôt, c'est toi qui vas prendre la relève. Je ne pourrai bientôt plus supporter cela, car cela m'énerve. Est-ce que tu veux l'éliminer ou bien c'est quoi? Parce que moi, je comprends pas. Hein. Non. Ou bien faut nous dire. Plaît, oh. Ah. Ah, oui. Je suis innocent. Qui est là? Oui. Tu dois être Aweli. Oui, c'est moi Aweli. Comment vous avez su? Hey, ça doit être vous le chef Oueka. Hey, garde-vous chef. Vos chaussures brillent, vos habits brillent. Hey, le chef des chefs. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui fabrique l'argent. Papa, laissez-moi pleurer pour vous. Papa, faut que je rie pour vous. Papa, comment vous voulez que je fasse pour vous? Papa, j'espère que vous aimez ça quand même. Attendez un instant. Hey! Le papa de papa. Papa. Eh oui. Elle est vraiment incroyable, hein, votre. C'est incroyable, hein. Ah. J'étais vraiment impressionné. Oui, Vistan. Wow. Je pensais que c'était mon client Copie Omeka. Non. Elle est merveilleuse. Ouais. Vistan. Ouais. Waouh. Oui. Comment était le voyage? C'était bien, comme tu peux le voir, oui. Ah oui, vas-y. Où sont tes bagages? C'est dans la voiture, il faut que quelqu'un parte les chercher, c'est de la voiture. Ça c'est vraiment intéressant, hein. Ouh, j'ai failli me mourir de rire. Oui, c'était intéressant.
Ok. J'ai vu. Je suis en train de faire ceci. Comme cela, on pourra avancer. Ah, pas moi. Oui, envie. Merci. Ah, ah. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux partir. Ah, papa, laissez-moi rester à côté. Je peux pas vous laisser comme ça. Hein? Oui, quand je travaillais au palais, je restais à côté du roi. Hein? Le chef est debout, je suis debout. Le chef dort, je dors. Le chef pousse, je pousse. Quand il fait des confessions, je pardonne. Ah. Oui, monsieur. Papa, et? C'est comme ça que je souffre ici chaque jour avec elle. Mon fils, moi, je l'apprécie, hein, tu elle sais. Elle est très difficile. Mais c'est bien. Elle est très bien, cette fille. Reste, reste, reste. Au passage, je me laisse mon boiteau. Bien, tu peux rester. Hein. Au passage, j'espère que tu as les yeux sur les... Et que tu as bien... Enfin, tu as bien regardé ce contrat. Oui, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ah, ok. J'ai vérifié cela. Tu es mon fils. Merci. Oui. Bonjour. Qui es-tu? Mon nom c'est Mazi. Mazo Odo Kanamba. Ojuku e jabankembo. Dikana bugunanya. Ganga gangam. Onya sikeke nwa egosino ngbara kayamma. Onya sikeke lekerosino kabua abua. Emeke ogbalaka. Sina kedu niru kamma na echi di me na echi. Ivechi wote kamma. Donc c'est Mazé, ça c'est mon nom. Ouais. Je suis le chef, l'agent de sécurité. Je vis un peu en bas là-bas, dans les parages. Je suis là pour voir cette fille-là, la fille qui joue la flûte. Donc, elle est là. Tu vois cette flûte, hein? Yeah! Si elle, quand elle va commencer à jouer cette flûte ici, hein, je te dis que... Hey! C'était mes ancêtres. Je dis que l'esprit de cette flûte là est parti réveiller l'esprit de mes ancêtres. Il me disait, qu'est-ce que tu fais ici? Cette fille qui joue la flûte là, c'est ta soeur. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pourquoi je suis là. Ah bon? Dites-lui que son frère est là. En plus, je vais la voir et faire l'amitié. Comme ça, elle sera ma soeur en même temps. Tu dis que tous ceux qui jouent le Odia sont tes frères. Ça! Écoute, laisse-moi te dire. Je suis de Mbratam Inamabra State. Tu vois cette flûte là? C'est ça. C'est sacré chez nous comme ça. Je te dis, quelqu'un qui joue cette flûte, hein, franchement, il est mon frère. Il est de ma famille. Oui. Désolé, tout à l'heure quand tu te présentais, c'était vraiment très long. C'est quoi ton nom? Mon nom. Oui. Mon nom c'est. Ok. Mon nom c'est Mazé Odum Konamba. Hein? Mais tu peux m'appeler aussi Mazé. Comme ça fait un peu plus simple, tu vois. Mazé. Willy n'est pas là. Hein? Tu dis son nom c'est Awele. Hey, je te dis. Son nom c'est Awele. Donc désormais c'est Ija Aweli, c'est ça, hein? Parce que on va travailler ensemble, ma cousine, c'est ma soeur même. Aweli, Ija Aweli, Ija Aweli. Mazé. Hein? Elle n'est pas. D'accord. Quand elle reviendra, je vais lui dire que son frère est venu la voir. C'est ça même. Tu as dit c'est ça que tu as dit là. C'est ce que tu as dit là qui est juste, c'est ça, juste son frère. Dis-lui que son frère était là. Hey, Awele. Ija Awele. Ija Awele. Ija Awele. Thank you.
Mazé, pardon, calme-toi. Quoi? Tu as de la chance. Qu'est-ce que tu veux? Je pensais que tu étais un voleur délinquant qui rôde là. Ici, j'allais te buter ici. Je suis un enfant, moi. Mais dis-moi, pourquoi tu m'as pas dit que tu viens? Fallait me dire, non? Fallait me dire, j'allais t'attendre, non? Je me suis dit de venir voir si tu as une autre femme qui vient ici. Quoi tu ris? Toi tu vas me tuer quoi. Donc c'est à cause de femme hein. Tu as laissé ton business et tu es venu ici pour m'attendre. Hein? Pour me surveiller. Bah, regardez ici. Regardez là. Hey, toi vraiment. Et donc tu peux plus venir voir mon homme encore? Je suis venu voir mon homme, non? Comprends, non? Être sûr que tu ne fais pas des ordres en venant ici. Tu es un homme et moi je suis une fille. Écoute, laisse-moi te dire. Il n'y a personne. Personne ne pourra prendre ta place dans ma vie. C'est toi, mon bébé. Mon cœur. Mon bébé d'amour, mon bébé, la seule et l'unique, mon pino, après toi c'est toi, mon bébé d'amour, ma cendrillon mon bébé, la plus belle mon bébé, mon cœur. Sans toi dans ma vie, je ne saurais vivre, je ne peux même pas respirer. C'est Dieu qui t'a envoyé dans ma vie, tu es le paradis même. Je dis, je cause avec Dieu, Dieu a dit, il m'a dit, ah Mazi, il dit oui, il dit entre dans le paradis, et j'ai rentré comme ça. Je te dis, c'est Dieu. Il dit, on est collé. Mazé, magé. Oh. Mazé. Magé. On est fait l'un pour l'autre, mon amour. Oh, oui. Oh, maman. Ça me fait les choses. Ça me chatouille. Je suis la première. Il n'y a personne qui l'a su. Je suis sûr. 100%, je suis sûr. Tourne un peu, hein. C'est ça, non, regarde. Maman. Oui. Tu as vu que j'ai de la forme, non? On va faire ça. Juste une heure. Et non. Maman. 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 Un instant. Qui êtes-vous? Vous êtes d'où? Vous partez où? Hé, pour qui te prends-tu? Et qui es-tu pour me poser ce genre de questions dans la maison de mon petit ami? Petit ami? Oui, donc ferme ta sale bouche et fais le travail pour lequel tu es payé dans cette maison. Boniche! Just to be with you every day, but wait a minute. What if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely. Coucou bébé.
bien? Où es-tu? Je suis déjà là, dépêche-toi. Ok, je t'attends alors. Et j'ai vraiment faim. Peux-tu rapporter quelque chose à manger, s'il te plaît? Merci, c'est pour ça que je t'aime. À tout à l'heure. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi cette musique? Celle-là fuit, c'est comme si elle avait un sorcier quelque part. Une moins que rien. Laisse-moi passer. Laisse-moi rentrer bébé, chez moi. Calme-toi. C'est quoi le souci? Tu penses que je n'allais pas savoir? Je n'allais pas comprendre que tu m'as envoyé dans cette maison remplie de fétiches avec cette sorcière. Pour m'utiliser pour des rituels, je sais. De quoi tu parles? Mais laisse-moi te dire, je sers un dieu qui est puissant. Laisse-moi passer. Calme-toi. Laisse-moi passer. Ok, d'accord. C'est bon, vas-y, passe. Viens. Que s'est-il passé? Laisse-moi passer. Je pensais pouvoir m'utiliser pour des rituels avec cette dame que j'ai envoyée de tout village pour m'utiliser. Efface mon numéro. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Dindy. Ritualiste. Dindy. Sérieux. Viens ici, où vas-tu? Tu vas le faire, tu n'es pas un homme, tu vas le faire. Viens ici. Quitte la route. Je dis quitte devant mon pardon. Rentre dans la chambre, tu vas le faire. Madame, quitte la route là. Mais rentre dans la chambre, c'est tout ce que moi je te demande. Est-ce que tu veux me tuer? Tous les jours, tu me dis que non, tu m'aimes ici, tu m'aimes là-bas, tu m'aimes ici, tu m'aimes là. Tout ça, c'est faux. Tu veux juste me tuer, toi. Tu veux ma mort, c'est ça? Tu vas mourir à cause du cesse? Est-ce que toi, tu as une fois écrit ça? Ok, laisse-moi te dire. On m'a parlé des nymphomanes. J'ai dit non. C'est un mensonge. Mais maintenant que je te vois, je crois maintenant, voilà. Écoute, je suis fatigué de faire la chose. On a fait ça combien de fois? Hier seulement, on a fait ça 4 fois. Et écoute, je me suis réveillé, tu as dit non, on a fait encore, tu as envie, on a fait 3, 4 fois. Le matin encore, comme petit déjeuner, on a fait ça 3 fois. Et je sais pas encore. Je dois partir vaquer mes occupations. Tu dis non, ok, je t'ai donné ça, je t'ai donné 2 fois. Tu veux ma mort, tu veux me tuer. Encore. Aie pitié de toi, moi. Tu n'as pas trouvé de plaisir là-dedans, hein? Si tu ne veux pas de problème, rentre dans la chambre. Mais mon grand frère, mon grand-père, il ne faisait pas ça. Comment moi je peux faire ça, toi aussi? À cause de quoi tu es là? Viens satisfaire à mon désir et nous serons bien. Faire où est ton le diable travail. Exactement. Je dis bien. Où est-ce que tu as mis la chambre? Je sais pas d'où. Non. Ah. Aïe. Allez, allons-y. Rentre dans la chambre.
Je dis allons-y. Asse comme ça et vite. Allez. C'est quoi tout ça? Quand est-ce que tu as commencé à boire l'alcool, toi? Hein? 4 bouteilles? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pourquoi on boit. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je suis mort. Complètement mort. Tu peux s'il te plaît arrêter de boire comme ça? Est-ce que moi je comprends pas? Tu crois qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu te souviens de Chipes Naja Limited? Ouais, tu as déjà mentionné ça. Ça n'existe pas. J'ai fait un chèque de 20 millions à Chipes Naja Limited sans vérifier. Chipes Naja Limited n'existe pas. J'ai décidé d'aller voir où ils sont. Tu sais, j'ai cherché leur localisation pour aller. Il n'y avait rien là-bas, même pas une personne qui travaillait là-bas. J'ai dit, allons voir leur direction générale. Même là-bas, le bâtiment était à vendre. Il n'y avait personne là-bas. Mon père va me tuer, je suis mort. Un gars mort qui travaille. Il ne voulait pas que je fasse le contrat sans investigation. Il a même demandé à Tunde de faire les investigations. J'ai dit c'est bon que j'ai fait cela. Regarde-moi, j'ai rédigé le contrat parce que j'ai cru en Collins. Voilà donc ce que Collins m'a fait. Voilà donc. Il m'a tué. Barman. Barman, apporte encore 2 bouteilles. Oh, ok. Je suis mort, je suis un gars mort. Vas-y doucement. Wow. 20 millions. Ah, merde. 20 millions de naira. 20 millions de naira envolés. Vas-y, doucement. Comme toi, ça va aller. Va aller. Je pensais que... Serveur. Ton les biens, apporte. Encore 2. Mort. Monsieur. Ah oui, les... Comment tu vas? Comment je vais? Comment tu vas? Tu vas comment bien? Comment je vais? C'est bon. Je vais bien. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe avec mes escaliers? Pourquoi ils ont l'air si grands? Je vais arranger cela. Hey,
monsieur. Levez-vous. C'est bon, ça va. Ne me pousse pas. Mon Dieu. Awele, lève-toi. Tu fais quoi ici? Comment? Awele. Oh mon Dieu. If I have wings like a dove, I'll fly your way. Just to be with you every day. Que s'est-il passé? Awele. Monsieur. Assise. Non, monsieur, laisse-moi le céder. S'il te plaît, assieds-toi. Assise. Just to be with you. Je t'appelle pour te demander pardon pour ce qui s'est passé cette nuit, car j'étais sous l'influence de l'alcool. J'étais bourré et j'ai fait un mauvais business, et l'alcool était une des conséquences. C'est pas comme si je cherchais une excuse pour ce qui s'est passé hier. Ok, c'est juste que je tenais vraiment à m'excuser. Et s'il te plaît, prends ceci. Hey! Qu'est-ce que tout cela signifie? Monsieur, je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Non. Ah, Wele, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas seulement les prostituées. Quand on couche avec eux, on leur donne l'argent. Non, ah, Wele. Écoute, je suis pas fier de moi ce temps-ci. J'essaie juste de te faire comprendre que je suis désolé pour ce qui s'est passé cette nuit et que cela ne va plus jamais se reproduire. Monsieur, pourquoi vous vous moquez de moi, non? Ah ouais, je suis pas en train de te rabaisser. Écoute, cet argent, ce n'est pas un paiement ou ni une récompense. Là, c'est juste pour te montrer
à quel point je suis désolé. S'il te plaît, pour la paix de mon esprit, prends ceci. Monsieur, ce qui est fait est fait. Ce qui est mangé. Ce qui est avalé. Donc, monsieur, oublions ça et ayez un esprit tranquille, monsieur. Je suis désolé. Ah oui, pardon. Champion, écoute-moi. Ce n'est pas juste à cause de l'alcool. C'est parce que tu n'es pas habitué à passer une nuit sans toucher une femme. C'est pour ça que tu as fait ce genre de truc-là. Ok, mais parlons d'elle aussi. Hein. Pourquoi elle ne t'a pas stoppé? Parce qu'elle était saoule. Tu vois? Une femme de ménage saoule. Et un alcoolique de patron aussi. Et un amour de soulard. Ah, arrête de mentir. Arrête de mentir. Qui a encore dit l'autre là? On peut dire que c'est ton acolyte. Elle, elle t'accompagne dans l'émission où tu ne peux pas partir seul. Elle t'a épaulé ou bien? Attends. Tu es sérieux là? Hein? Très sérieux. Oh non, je suis sérieux. Dans l'esprit de la loi de Okokacha, qui dit que les compatibles et les compatibles se mettent ensemble parce que qui s'assemble ne se ressemble pas, mais qui s'assemble peut se ressembler. Okay. Tu es vraiment sérieux. Oui, mon gars. Ce que tu crées dans ta tête ne va jamais arriver. Cela ne va pas arriver. Oublie ça. C'est déjà arrivé. Toi, prie juste que Eve ne t'attrape pas. Parce que là, elle va te tuer. Arrêtez de créer ce scénario dans ta tête. Un problème sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Ceci. Tu as couché avec ta femme de ménage. Quelque chose qui va encore continuer, hein? Ça va pas continuer. En tout cas, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose plus sérieuse. Comment est-ce que ton papa a appris la nouvelle? Ah. Je ne décroche même pas ses appels. Il appelle tellement que je suis obligé d'éteindre mon téléphone. Et jusqu'à quand est-ce que tu vas faire ça? Jusqu'à ce que je vais voir que je vais pouvoir répondre. Je peux pas encore. Il va falloir que tu le fasses. Parce qu'il faut que tu affrontes tes réalités en face et que tu prennes tes responsabilités. Tu ne peux t'enfuir éternellement. Je ne suis pas prêt. Pas prêt. Quand je serai prêt ou je suis prêt, je vais l'appeler. J'espère que tu vas penser à ça aujourd'hui. Hein. Et bon, comment... Barman! On doit boire ou bien? Tu as commencé, j'ai commencé. Ça doit être un honneur pour toi ou bien? Pourquoi devons-nous boire? On doit boire de l'alcool. Je ne bois pas l'alcool. Tu dois boire ça. Je bois pas. Ok, je vais boire de l'eau. Je sais pas pourquoi. De quoi est-ce que tu as peur toi? Hein? Je t'ai déjà dit, ce qui est arrivé, c'est pas à cause de l'alcool. C'est un état d'esprit. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça. C'est un état d'esprit. C'est quand je n'ai pas bu de l'alcool. Quand quelque chose de mal veut arriver, cela va arriver. Je ne bois plus d'alcool. Laisse tout ça là. Je ne bois pas aujourd'hui. Tu dois boire ça. Tu dois boire ça. Je vais boire de l'eau. De l'eau. Et mange non. Hein? Tu n'as pas mangé, tu ne seras pas en bon. Je pourrais être fort et puissant la prochaine fois. Je ne suis pas fort. Tu es bien puissant. Je ne suis pas fort, pardon. Tu vas me tuer. Je ne suis pas fort. Tu es puissant. Tu es puissant. Hein? Bois. Oh! Mon doudou, regarde comment tu vas un peu mieux. Hein? Laisse-moi aller à l'intérieur et revenir. Tu n'es pas dedans. Je reviendrai, hein? N'aie pas peur, ça va aller. Je n'ai rien vu, hein? Ah, Mazé. Ah. Mazé, où est-il allé? Hein? Thank you.
Voleur, tu n'es pas un voleur. Qui es-tu? Mazé, mon nom c'est Mazé. Voleur, c'est à cause de Maggie. Maggie, qu'est-ce qu'il ne va pas avec Maggie? Non, pas Maimai. Goumamai. Quoi? Allez, lève-toi. Aïe. Attention. Je ne veux pas qu'il me voie. C'est quoi Goumamai? Goumamai. Pourquoi tu es nu? C'est elle. C'est elle, elle veut me tuer. Elle veut Goumamai tous les jours. Goumamai matin, midi, soir. C'est quoi Goumamai? Goumamai, non. Goumamai la nuit, Goumamai la journée, Goumamai à midi, tout le temps. On fait ça deux fois, on fait ça trois fois, on fait ça quatre fois, six fois, sept fois, huit fois, tout le temps. Goumamai. Donc ce que les autres cherchent, c'est ça que toi tu es en train de faire comme ça. Doucement, non. C'est bon. Maggie, il est ici, oh, qui cherche le support. Celle qui cherche son petit ami, il est ici. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Monsieur, ceci est mon travail, non? C'est pour cela que je suis ici, non? Écoute, les pastas, ce sont mes favoris, absolument mes favoris. J'aime souvent les préparer seul. Monsieur, non, ce n'est pas le macaroni. Non, monsieur, je prépare ça souvent. Laissez-moi faire, c'est mon travail. Ok, viens m'aider avec les tomates. Voilà, préparons les pastas. Ça, c'est pas votre travail, c'est à moi de faire. C'est quelque chose que j'aime faire. Monsieur, on dirait que c'est votre téléphone qui est en train de sonner. Laisse-moi aller chercher. Non, t'inquiète, je vais le prendre. Monsieur, où est le macaroni là? Non, c'est seulement le spaghetti qui est ici. Il a dit qu'il veut préparer ça, mais il a déposé ça même où? Salut, pa. Désolé, papa. If I have wings like a dove, I'll fly your way. Just to be with you every day. Papa, je suis vraiment désolé. What if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely. It will break me. I'd rather stay here with you. Ouf. Ok, papa. Hello. Are you there? You should love everlasting. Monsieur, le macaroni est prêt, donc je demande si je dois transformer ça en jollof ou bien je le laisse comme ça. Non, t'inquiète pas, ok? Je vais le faire moi-même. Ok. Qui est-ce? Wow, bébé. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Ok. B. C'est trop bien de te revoir. I don't wanna be lonely, it will break me.
Bienvenue, B. Tu cherches quelque chose? Quoi? C'est juste ça. Tu cherches quoi? Et pourquoi tu es bizarre? Ça appartient à qui, ça? B, c'est pour toi, non? Moi? M'as-tu une fois vu porter une perruque avec des boucles? J'aurais dû te le jeter à la figure dès que je suis entrée dans cette maison. Mais non, je me suis dit c'est trop rabaissant pour lui. Quel est le problème? Mon problème, c'est que tu as osé ramener une fille dans cette maison alors que j'étais au travail. En plus, tu mens! De quoi tu parles? C'est pour toi. Je ne connais même pas la différence entre la mèche et les perruques. Ah, bébé, je dois te croire. Je dois te croire. Écoute-moi très bien. Je te pose cette question pour une dernière fois et n'ose même pas me mentir. Aude-moi à Dike. À qui appartient ce cheveu? Ne me touche pas. Elle me donne un traitement de silence. Je ne sais pas quoi faire. Écoute, ce n'est pas le moment de me blâmer. C'est le moment de trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé. Tu es inutile. C'est l'anniversaire d'Awele demain. Je voudrais lui offrir un gâteau et j'ai besoin d'argent pour acheter ce gâteau. Bébé, ce traitement de silence est en train de me tuer. Je suis désolé, vraiment désolé. Vas-tu me remettre l'argent, oui ou non? Thank you.
Moi? Non, 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 personne ne m'a jamais offert ça avant. Hey! Maman, merci. Et tu as aussi une bouteille de vin. Joyeux anniversaire. Hey, boss, le boss des boss. Ceci est la meilleure. Hey, merci, messieurs. Eh oh, maman de maman, la plus riche des riches, que Dieu te bénisse abondamment, la plus gentille de la planète, oh maman de maman, que votre main ne manque jamais d'argent, la maman de maman. Oui, 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 laisse-moi un peu pleurer. Oui, oui, oui. Eh oh. Ah ouais, les. Papa, vous le sentez? Maman de maman, rien ne va vous arrêter dans ce monde. Rien ne va vous arrêter. Votre mère sera toujours bénie. Vous serez toujours bénie. Dieu vous bénira toujours. La maman de maman, la plus riche des riches, la plus gentille de la planète. Maman de maman, la plus... Merci, la maman de maman. Dieu va vous bénir abondamment. Il y a encore de la poussière sur les côtés. Regarde bien, Awele. Ah, mais Awele, tu es distraite. Regarde bien. Regarde là, regarde. Ah, mais il y a encore Awele. Reviens. Ah, Willy. Madame. Ça va? Es-tu sûre, oui, que madame. Ça va? Alors nettoie-moi ça bien. Regarde la poussière partout. Madame, j'ai nettoyé. Regarde, regarde. Ne vois-tu pas cette poussière? Ah, Willy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bébé, je pense qu'Awele est enceinte. Quoi? Pourquoi tu penses ça? Figure-toi qu'elle a vomi 3 fois aujourd'hui quand on faisait le ménage ensemble au salon. On verra demain. J'espère vraiment avoir tort. Madame, s'il te plaît, dis-nous quelque chose. Étais-tu enceinte avant d'arriver ici? Mais dis-nous qui est le responsable de cette grossesse, non? Écoute, Awele, tu es comme une sœur pour moi, d'accord? Si tu nous dis qui est le responsable de cette grossesse, nous allons tout faire pour qu'il prenne ses responsabilités, n'est-ce pas, bébé? Ah oui, les parle-moi. Allez, parle, non. C'est lorsque tu parles qu'on peut t'aider. Vas-y, dis-nous. Ah oui, les. On verra bien. Ah, ouais, les. Cette fille, où est-ce qu'elle est encore passée? Ah, ouais, les. Ah, ouais, les.
Bébé! Bébé! Oui. Bébé, viens voir! Ah, elle n'est plus là! Je ne sais pas, ses affaires ont disparu! Comment elle est partie? Elle est partie? Je ne sais pas où elle est! Ses placards sont vides. Ah, où elle est? Il n'y a personne dans sa chambre! C'est quoi? Je ne sais pas! Elle t'a dit quelque chose? Elle ne m'a rien dit! Je ne sais rien, bébé! Sûr? Je viens juste de voir sa chambre vide, comme toi! Je ne sais pas! Elle t'a dit quelque chose? Non! Rien du tout! Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qu'on fait, bébé? Oui, je vais appeler pour savoir où elle se trouve. Je l'appelle ou tu l'appelles? Oui, laisse, mais... j'appelle. Oh, ok, vas-y. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'elle peut bien être? Attends, son numéro ne passe même pas. J'irai voir chez les voisins. Il regarde dehors. Gars, comment tu ne me comprends pas? Je te dis qu'elle est enceinte. Deux mois. Ce qui s'est passé, c'était une erreur. Une véritable erreur. Ça ne devait pas se produire. Yves a confirmé la grossesse. Elle a fait le test d'elle-même, donc elle connaît. Le problème est que, exactement, ça, ce n'est même pas le problème. Le problème est que on n'arrive pas à la retrouver. J'ai appelé son numéro plusieurs fois, ça ne passe pas. Je suis confus, je ne sais même pas quoi faire. Je ne connais même pas quoi faire. C'est ce que je veux. Si vous la voyez, faites-moi savoir. Je vais vous envoyer sa photo. Vous allez m'aider à la retrouver. Ok, thank you so much. Ok. Enceinte de votre fils. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je ne vais pas bien, chef. Je ne peux plus le supporter. J'ai été patiente. J'ai fait des sacrifices pour lui. Chef, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour que votre fils me fasse cela? Après tout ce que j'ai sacrifié pour lui... Je serai à l'école si tu veux, si tu le veux. Donc, lorsque je vais venir, on va régler ce problème-là. D'accord, chef. Tu vas aller vous le mieux, hein? Je viens, t'inquiète. Awole. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi le problème? Awole. C'est quoi le souci? Rien. Ah. Donc pourquoi tu es ici, hein? Ou bien les gens pour qui tu travailles t'ont chassé, hein, c'est ça? Non. Ou bien, tu veux retourner au village? Je n'ai même personne de l'autre côté là-bas. Je sais même pas où je dois aller. Ok. Tu vas me suivre chez moi à la maison. Ah, non. Non, tu vas rester chez moi à la maison. Tu restes, tu me suis là-bas, tu restes, tu dors là-bas aujourd'hui. Et demain, tu vas chercher où partir. Parce que rester ici ne va pas t'aider. D'accord?
Je t'en prie, lève-toi, hein. Allons-y. 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 Aïe! Comment tu peux rester ici, hein? Allons-y. Ah, allez. Oui, oh, oui. Hmm? Yeah. Il est l'heure de manger, hein. Oui. Je n'ai pas faim. Mange, non, mange. Tu as besoin de ce plat. Je sais que peut-être même toi, t'as pas faim. Hein. Mais en tant que femme enceinte, le bébé, il a besoin de ça. Donc mange, mange. Comme ça, tu vas aller mieux, tu te porteras très bien. Hein. Ou bien, tu veux que je te nourrisse? Ah, non. Ah, donc mange. Assure-toi de finir ce plat. Hein. Si tu finis ce plat, ça sera bon. Mais toi, tu vas dormir où? Ah, t'inquiète. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein. Je vais te donner tout l'espace possible. T'inquiète pas. Tu es une femme, je sais. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas pour ça même. Je suis un homme galant. Merci beaucoup. Oh non, Aoli, ne me remercie pas. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, hein? Ah, donc, finis juste ce plat. Hé, hey, Aoli. Hé. Hey. En tout cas, moi, je m'en vais. Je... Yeah. Ma fille, puisque tu t'es faite à l'idée de quitter la maison, donc je respecte cela. Tu sais, certaines personnes restent, certaines personnes font ce qu'ils veulent. Pas juste à cause des yeux des gens. Donc je respecte ta décision, je te respecte vraiment. Mais n'oublie pas une chose, je suis toujours ton père. Hmm? Si tu as besoin de quoi que ce soit, juste fais mon signe. D'accord? C'est compris, chef. Merci beaucoup. Mais donc viens là. Je tiens aussi à vous dire merci. Merci pour l'amour que vous m'avez porté comme un père. Okay. J'apprécie vraiment. Merci. C'est merci rien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, porte-toi bien, ok? Au revoir. Je ne trouve pas qu'elle a abandonné facilement. Parce que si cette aimait vraiment, elle allait se battre, rester, se battre exact. Vraiment. Fermez-la, idiot. Les idiots comme ça. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de ce que tu as fait, toi. Donc, toi, je vais rester ici un moment. Faut que. Tu dois aller retrouver Aoli. Oui. Trouve-la rapidement. Pour qu'elle vienne. Pour qu'elle vienne avec ses parents ici. Moi, aucun de mes petits-enfants ne sera éduqué hors du mariage. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Regardez-le, tu n'as même pas honte de toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mazi, donc c'est vrai. J'ai écouté qu'il y a une autre femme dans cette maison. Tu es en train de laver ses habits, ses caleçons, ses soutiens. Mazi, c'est maintenant que je te connais. Est-ce que tu as une fois lavé mes caleçons? Tu as une fois lavé mes soutiens? Laisse-moi. Je vais crier. Pousse-toi. Hein?
ne va pas dormir là-bas, hein, c'est juste ma soeur. Lé, donne-moi ton téléphone. Montre-moi ta photo de famille. Où sont tes parents, tes frères et soeurs? Je veux vous voir ensemble. Je veux la voir dans la photo. Qu'est-ce qu'il y a, non? Calme-toi. Va me tuer. Tu parles, toi, tu vas me tuer, toi, hein? Depuis là-bas, je t'attends. Tu viens ici avec tes beaux yeux. Tu sais. Toi, c'est moi. Tu m'as donné ce que j'ai bu. Mon bébé. Mon bébé, la prunelle. La prunelle de mes yeux. Mon bébé. Ma pinopino. Mon bébé, quoi? Tu es trop belle. Après toi, c'est toi. La meilleure. Bébé, nul ne te peut. Je te dis, tu es mon sucre. Tu vas te tuer ici. Ton sucre là, c'est ça qui va te tuer. Oh, je me souviens. Je me rappelle que c'est ça qui a tué ton papa. Ça va te tuer aussi. Va te tuer. Où est-elle? Je dis. Oui, ok, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Ne fais plus jamais ça. N'essaye même plus ça. Mazé, c'est ce que tu me fais. Mazé, regarde ce que tu me fais. Regarde, si mes pieds me font mal maintenant, c'est toi. Tu me fais ça, tu me fais ci. Regarde. J'ai mal pas la nuit, c'est toi qui me réveille. Un coup, deux coups, trois coups, chaque jour. J'ai même pas le temps de dormir. Regarde ce que tu me fais, Mazé. Mazé, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mazé. Hey, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui m'arrive comme cela? Tu viens de t'avoir voix sur moi, tu viens de crier sur moi, pourtant moi je souffre. La vie n'est pas facile, tout a augmenté dans le pays. Et toi aussi avec toutes tes rannes. Chaque jour tu veux qu'on fasse le truc. Chaque soir tu veux qu'on fasse. Chaque après-midi, chaque midi tu veux qu'on fasse le truc. Tu veux me tuer toi. Tu sais que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile et tu viens m'embrouiller encore. Et Seigneur, aie pitié de moi. Tu n'as pas pitié de moi toi, hein. Tu n'as vraiment pas pitié de moi, c'est ça? Tu n'as pas pitié de moi, c'est ça, hein? Faut avoir un peu pitié de moi, hein? Je suis un homme qui souffre, tu sais. Je suis un homme qui souffre dans cette vie. Je ne suis pas comme, tu vois, je suis pas comme les boss. Je suis un homme qui souffre, je me débrouille. La fille qui est dedans là-bas, c'est ma soeur. Je sais même pas ce que tu veux créer, tu sais, quel souci. Hein? Tu sais pas ce que tu veux faire. Je sais même pas ce que tu veux faire. Hein? Tu as quel souci même toi, hein? Tu as quel souci? Tu m'embouilles l'esprit finalement. Tu m'embouilles au juste. C'est quel genre d'amour ça? Où est-elle? Hein? Où est-elle? Laisse-moi, je vais te frapper, laisse-moi. If I have wings like a dove, I'll fly your way. Just to be with you every day. But wait a minute, what if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely, it will break me. Hey, tu n'as pas encore fini toi. Tu as déjà terminé? J'ai fini mes tâches, j'ai pris ma douche. Je me suis même maquillée. Tu es encore là. Grace est partie il y a de cela un mois maintenant. Et bébé, ses raisons est une femme de ménage.
On a besoin... Bien sûr que si. Sinon, comment est-ce que tu feras quand je retournerai à l'école? Tu vois, écoute-moi, non. Tu as besoin d'une femme de ménage pour t'aider. C'est très important. Avant que tu ne prennes 4 heures pour faire seulement une vaisselle. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Je regarde juste comment tu es si jolie. Mm-hmm. Je t'aime. Et je vais pas te perdre. Je t'aime aussi, mais tu ne mourras pas. J'ai fini mes tâches. À toi de finir les tiennes. Non, je ne veux pas que tu viennes après dire que je t'ai déconcentré. Non. T'as aidé pourquoi? Quand on distribuait les tâches, tu savais que je m'aimais, non? Non, nous nous sommes partagés les tâches. Regardez ceci. Donc, tu pars. Bye. Sérieux, c'est la dernière fois que je t'ai dit j'étais. Hello, my love. Are you there? My love. My sugar love. My love. Everlasting love. My love. Hello, my love. Hello, my love. My sugar love. My love. Everlasting love. My love. Hello, my love. Are you there? My love. My sugar love. My love. Everlasting love. My love. Hello, my love. Hello, my love. My sugar love. My love. Everlasting love. My love. If I have wings like a dove, I'll fly your way. Just to be with you every day. But wait a minute, what if you are not there? I'll be lost in the air. I don't wanna be lonely, it will break me. I'd rather stay here with you in my arms. Hello, my love. Are you there? My love. My sugar love. My love. Everlasting love. My love. Hello. I will be your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, let me be your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, let me be your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face, your shoe shine, no time for say them say. Your face, your shoe shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. I go blow siren for you now. We want, we want. Make I cry for you. Now you be mama, yeah. Now you be papa, yeah. You go shine now, shine like morning star. Make I shout for you. Onto Colos. Isimo. Des nouvelles. Ça faut juste qu'on rentre à la maison. Hein. Je suis fatigué. Allons juste à la maison. On va revenir après. Peut-être demain. Ok. Après. Allons-y. I go blow siren for you now. We want, we want. Make I cry for you. Now you be mama, yeah. Now you be papa, yeah. You go shine now, shine like morning star.
make I shout for you. Onto Colos. Isimo! Bonjour, monsieur. Mm-hmm. Bonjour, monsieur. Mm-hmm. L'avez-vous trouvé? Non, monsieur. Vous devez bien la chercher, même si vous devez aller en enfer pour cela. Ta position en étant mon fils de cette famille va dépendre de toi si tu la retrouves, en fait. Est-ce que j'avais de l'eau lorsque je parlais? Si vous voulez, n'écoutez pas. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord, monsieur. Namibi, your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Namibi, your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele! Namibi, your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face show, your shoe shine, no time for say them say. Your face show, your shoe shine, no time for say them say. La vie, c'est pas comme ça, hein, franchement, la vie. La vie, vraiment, tout ce que tu vois là, on va mourir blessé. La vie n'est pas facile. Si je te raconte mon histoire, hein. Mon Dieu. Dieu peut tout, t'inquiète. Toi, prie juste au Seigneur, il va te visiter. Tu écoutes tous tes ennemis, hein. Toi, prie le Seigneur seulement, tu vas voir. Dieu va faire que tous tes ennemis, hein. Ils vont se demander, mais pourquoi toi tu ne pleures pas? Pourquoi toi tu n'es pas malheureux? Ah, ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, il y a le Dieu qui est avec toi. S'ils essayent, Dieu va les honnir eux tous. C'est la vérité. Je te dis, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous se posez beaucoup de questions. Je te dis, hein, franchement, quand Dieu opère dans ta vie, franchement, il fait des miracles. Hein? Le temps tes ennemis vont se rendre compte, Dieu a fait bah! Dans leur vie. Ils vont le respecter, ils vont te respecter. Tu vas voir ici. Dieu est bon. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Une personne peut être pauvre et je dis la personne est riche. Dieu peut tout. Hein. Même quand mon papa est mort, il y a un oncle qui est venu là, il voulait montrer un peu
Je lui ai fait Mathieu, je lui ai dit, va acheter 10 voitures. Ou lui, il va enlever l'argent pour acheter 10 voitures. Ah, je te dis, avant que je ne sache même, tout ça pour une histoire de terrain, je sais même pas. L'histoire était compliquée, il parlait de 10 voitures. C'est ça que je te dis, oh. Tout ça, c'est Dieu qui fait que je suis encore en vie, c'est parce qu'il y a la sorcellerie. Oh. Le gars voulait faire du business, hein. À un moment, il nous a dit qu'il allait construire, envoyer les caterpillars sur le terrain. Maintenant, on ne répond plus rien, rien n'avance. Je ne sais même pas c'est quoi le problème. Je ne sais même plus, on dirait même que ça nous a... franchement, les gars là nous ont fatigués, hein. Je te dis. C'était vraiment pas facile, hein. Comment j'ai fait pour me retrouver ici, là? C'était difficile, hein. Les gars là nous ont fatigués, nous ont malmenés, ils ont fait ça, Il fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Il t'a dit. On a fait tout ce qui est possible. On a fait des choses que tu ne peux pas. On a fait des choses que tu ne peux pas imaginer. On a fait. Mazé. Hi. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. J'espère que tout va bien. Hein. Je suis venu chez moi aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien. Tout va bien. Je cherche Awele. L'as-tu? Awele, non, hein. Ah, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à son anniversaire, hein. Ah, elle doit être chez toi, pas ici, ou bien? Je pensais même à venir chez toi pour la voir, parce que ça fait un peu longtemps. Oui, c'est ma soeur, hein, tu sais. Ça là, j'espère que tout va bien, hein. Est-ce que tu l'as chassée ou bien elle a fui, c'est ça? Non, rien ne s'est passé. Merci pour ton temps. Merci. S'il te plaît, si tu vois Awele, fais-moi signe. Ah, bien évidemment, je vais te dire. Il faut que je te le dise. Merci beaucoup, hein. Y a pas de quoi. Je devrais bien inviter, mais tu sais, ça, c'est les choses du matin, là. Donc, franchement, j'ai même déjà fini, même. Donc, désolé. C'est pas grave, mais Amazé, n'oublie pas. Je promets. Yeah. Ok. Passe une bonne journée. Merci. Il est très malin. Comment il a su que... Ce gars va nous attraper, je te dis. Mais comment? T'inquiète pas, on va gérer tout ça. T'inquiète pas. Merci. Hey. Écoute, frangin, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu aimes toujours Eve? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je cherche une conclusion, une relation. Je ne sais pas entre les deux, sincèrement. Tu n'as pas l'air de savoir ce que tu veux dans cette situation. Et je pense que j'ai une idée pour toi. Tu peux créer une ouverture pour le pardon que tu recherches, franchement. Je te dis que tu le peux, hein. Tu as ses coordonnées bancaires. Mets de l'argent dans son compte ou bien qu'elle va recevoir l'argent qu'elle n'a pas demandé, hein. Automatiquement, ça va créer une ouverture dans son cœur pour toi, qui est le pardon. Je ne veux plus continuer comme ça. Je ne veux plus de cela. Je veux, quand je pars me coucher la nuit, Yves est auprès de moi sans devoir payer. Ce que tu recherches, toi, c'est son pardon, n'est-ce pas? Donc, bien peu importe sûr. Comment tu l'as. C'est du matériel, t'inquiète. Tu sais, la fin justifie les moyens, comme on le dit. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'Awele? Oh, celle-là.
Ah ouais les. Ah ouais les. Oh, désolé, monsieur. C'est vraiment désolé, monsieur. Que fais-tu? Faut que je la nettoie. Attends. Monsieur, je dois la laver maintenant, sinon ça ne va pas s'enlever après. Hey! Honnêtement, elle me manque. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la maison est calme sans elle. Sans elle à la maison, c'est vide. Intéressant. Oh, mon père. Salut, papa. Quoi? Où? J'arrive. Ok, papa. D'accord, j'arrive. Papa vient trouver Awele. Oh, vraiment? Honnêtement, je dois partir. On y va ensemble. Je vais te rejoindre après. Merci beaucoup, merci. Je suis content. Hey! Merci d'être toujours là. Ah, Awele. Bébé, je suis très Qu'est-ce que tu fais? J'ai appelé maintes fois, mais tu n'as pas décroché. Tu es fâché à cause de cette querelle. Cette petite querelle, hein? Pardon. Magué, je t'en supplie. Je t'en supplie, pardon. Si tu veux même, je peux m'agenouiller. Chérie, ne te mets pas un genou, je suis pas Dieu. Je t'en supplie. Hein? Pas, s'il te plaît. Lorsque tu me verras, vois-moi comme ton ennemi, s'il te plaît. Ne me vois plus comme ton amoureux du tout. Tu m'entends? En plus, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que ici, c'est pas ta maison. Je ne me vois pas partir, hein. Je ne me vois pas être ton ennemi. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Le jour où nous avons querellé, je ne suis pas en moi-même. Pardonne-moi. Mes rêves, je te vois chaque jour. Même dans mon travail, je fais des erreurs à cause de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi tu m'accuses? Écoute. Écoute, Magué, remercie le Seigneur, remercie Dieu, que ce soit dans un rêve que tu m'as vu. Et je t'en supplie, s'il te plaît, si tu me vois encore dans ton rêve, hein, ferme tes yeux. Hein? On t'a chassé dans la vraie vie, toi tu t'en vas voir la personne en rêve, tu me vois dans le rêve. Pardon, la prochaine fois si tu me vois en rêve, hein, ferme tes yeux. Si tu me vois dans la vraie vie, ne viens plus ici. Au nom de Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, pardon, ne viens plus ici, je n'ai même plus ton temps pour toi. Chérie, ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Tu sais quoi? Je suis très en chaleur. À cause de tout ce que j'ai traversé ces temps-ci. Juste allons dans la chambre et donne-moi encore un. Et... De donner un, c'est ça? Juste un. Et ton corps sera bien. Oui. C'est vraiment dommage que ma soeur soit à la maison. Donc ça ne sera pas possible aujourd'hui. Donc oublie, s'il te plaît. Oublie même ça. Est-ce que tu es même sûr qu'elle est ta sœur? Faut faire attention à ce que tu dis. Je dis toi, hein, toi, un jour, tu vas mourir de poumons minces. Tous les jours, tu veux faire la chose. Un jour, tu vas mourir. Non, là. Hein? Qui a commencé, hein? Qui a commencé? Pardon, là. Ok, tu sais quoi? Quoi ça? Tu te rentres dans la chambre. Appelle-la de sortir et reposer dehors. Et on rentre dedans, on fait juste un comme ça. On fait un. Tu dis quoi, même? Qu'est-ce que tu racontes quoi? Là, tu peux pas. Écoute, oublie. B, 5 minutes. S'il te plaît, oublie. Ok, 2 minutes. Oublie ça. 5 minutes. Je dis oublie, non? Hé, Mazé, c'est moi ou. Oui, je sais. Oublie ça. Tu sais quoi? Quoi je ça? Je vais aller dans ma maison. Je vais parler à ma mère. Elle va nous laisser. Elle nous laissera là. Oh.
Écoute, si je vais maintenant chez toi, hein, bam, et on commence à faire la chose, hein, et Dieu ouvre ses yeux comme ça, même le diable aussi ouvre ses yeux, et nous en train de faire la chose, hein. Maintenant, si je meurs chez toi là-bas, qu'est-ce que les gens vont dire, hein, que tu m'as appelé pour partir chez toi, qu'est-ce que je suis parti faire chez toi, et que, et ils vont savoir que je suis mort de, à cause de la chose là. Tu vas pas mourir. Amen, pas mourir, amen. Là. Écoute, hein, oublie ce sujet là. Laisse tomber. Laisse-moi te dire un truc. Hein. Tu vois cette maison. Hein? Bientôt là. Le patron va revenir bientôt. Le patron dit quand il va revenir. Là. Il dit lorsqu'il va revenir là, non. Hein? Tout ce que je veux, il va me l'offrir. Et ce que je lui dis, hein, écoute. Que dis-moi? Je vais lui dire que je vais t'envoyer au Canada. Oui. Vraiment? Donc je vais aller là-bas? Non. Quand tu vas partir, hein, moi je vais rester ici. Hein. Je vais partir et tu vas rester ici. On va aller ensemble, non? Attends. Qu'est-ce que toi tu veux exactement, même? Le fond là-bas, non? Moi-même, je vais t'envoyer. Hein. Et qu'est-ce que tu racontes, toi? Toi, vraiment, c'est pas la peine. Tu vois ça? Personne ne t'aide dans ta famille. Moi-même, je t'aide maintenant et tu parles. Petit Canada, je dis, je vais t'envoyer là-bas. Moi-même, je veux t'envoyer là-bas. Et maintenant, tu me racontes la merde. C'est même parce que tu racontes au lieu de profiter. Je suis pas encore allé au Canada. Oh, calme-toi, non? Je suis pas encore allé. Tu vois Canada, là? Tu vas plus partir là-bas. Toi et moi, on va rester ici. On va faire ce que tu veux, là. Écoute, je vais demander à mon gars. Il va me dire d'arranger certains trucs dans la maison. On va se prendre une pièce là-bas, tu connais, non? Et on va faire ce qu'il y a à faire, tu vois. On va faire la chose partout, on va faire la chose même dans la chambre, la chambre principale. Après, ici, avant les visiteurs, on va aller dans la chambre des visiteurs. Après, on va aller dans la cuisine, on va faire ça là-bas, on va faire ça encore. Où tu veux, on va faire ça dans la douche, où est-ce que tu veux. J'aime ça. Je te dis qu'on va faire les choses bien. Hein. Ma papounée. Désolé. Merci. Est-ce que tu connais le jeune homme qui habite juste là, juste en bas de la route là-bas, tu vois, à ta droite où il y a deux voitures qui sont juste en bas du bâtiment là, tu vois? Un gars noir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, lui et Aolé, sortir. Mazé. Mazé. Aolé. Ah, Aolé, est-ce que c'est dans ta maison, pas chez moi ou bien? Tu penses que je m'amuse avec toi? Ah. Où est Aolé? Qui s'amuse avec toi? Je m'amuse pas avec toi, je te dis la vérité. Mais elle est censée être chez toi. Pourquoi tu viens me demander? Elle n'est pas chez moi. Qu'est-ce que tu racontes même exactement, toi? Y'a pardon, maintenant laisse-moi tranquille. Tu es fou. Mazé. Tu penses que je joue? Lève-toi. Mazé. Je jouais. Lève-toi. Mazé. Mazé, lève-toi. Mazé, lève-toi. Lève-toi. Reviens, jeune homme. Reviens. Tu sais, dans la vie, hein, il faut savoir se contrôler, contrôler ses impulsivités et tout. Faudrait pas se dépêcher et faire des erreurs, tu vois.
Sinon, après, on risque de les regretter si on va trop vite, c'est ça. Donc, papa, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, rien. Rien. Pour le moment, rien. Quelqu'un s'appelle, viens. Ok. J'ai vu Awele. Où? Elle est couchée dans un caniveau, je crois qu'elle est saoulée. Mon Dieu. Et donc, je veux que tu viennes avec moi. Allons là-bas, on va la chercher, on va la prendre, s'il te plaît. Faut qu'on règle ça allons-y, maintenant. Allons-y. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Je suis à la voiture. Ah oui. Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Est-ce qu'on va laisser l'autre là? Jésus, où suis-je? Vous êtes à la morgue. La morgue? Ah, sang de Jésus! Je ne suis pas morte. Qu'est-ce que je fais ici? Comment? Je fais partie de ces esprits têtus là qui refusent de reposer en paix. Je suis en vie, je ne suis pas morte. Sang de Jésus! Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, monsieur. Je ne suis jamais mort, monsieur. Madame. Monsieur. Vous avez été ramenée ici étant morte. Non, je ne suis pas. Non, monsieur. Donne-moi votre téléphone, je vais appeler les parents. Laisse-moi donner leur contact. Monsieur. Oh mon Dieu, je suis Christ. Allô, Peter. Oh non, Peter. Mon beau-père. Rapporte-moi les injections. Hey, monsieur, je suis enceinte. Monsieur, qui est mon beau-père. Non, c'est une longue histoire. Je suis enceinte de son fils. Je ne suis pas morte.
Papa, papa, je ne suis pas morte. Mon ami, reviens ici. Papa, papa, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? Je croyais que j'étais morte. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, normalement, elle est morte. Oh non, oh non, non, non. Non, papa, je ne suis pas morte. J'ai juste pris un peu d'alcool et je me suis endormie. Ils m'ont apporté ici, monsieur, je ne suis pas morte. Elle est morte. Non, papa, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Je vous jure que de toute ma vie, je ne prendrai plus de l'alcool. Même si c'est un peu, je ne vais plus prendre, je vous jure. Ouais. Elle allait, enfin. Elle n'a pas l'air morte. S'il vous plaît. Oui. Ne la forcez pas, s'il vous plaît. Elle n'est pas morte. Hein. Mais chef, comment une femme enceinte peut boire de l'alcool et se saouler comme ça à ce point? Voilà, hein? C'est oh, clair non, que non, maintenant, non, non. Elle est morte, plus lui. Encore, non. Il se plaint, elle est morte. Je ne suis pas morte, papa, je ne suis pas morte. Je ne vais plus prendre encore. Ah oui? Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Fils. Papa. Comment est-ce qu'elle va? Vraiment inquiétant. Dans un mauvais état. Très mauvais état. Je dois nettoyer le haut. Papa, va-t-elle aller mieux? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Elle va aller mieux, t'inquiète. Ça va aller. J'ai un plan. Bennett, monsieur, ça c'est une tâche très importante. Tu vas jouer le rôle d'un légiste. Ah, moi, légiste, chef, je n'ai jamais fait ça auparavant. Je te dis, qui a déjà fait ça? Tu vas juste jouer le rôle, c'est tout, hein. Et lorsqu'ils vont l'envoyer, elle doit être au milieu de ceux qui sont déjà morts. Et c'est pas si tu vois des corps, des cadavres, quoi, tu vois un peu. Oui, on doit la mettre dans cette situation-là, dans ces circonstances-là, comme ça. Lorsqu'elle va se réveiller, elle sera tellement terrifiée. Comme ça, elle va penser qu'elle est morte. Comme ça, elle ne va plus boire encore. D'accord, monsieur. On ne doit pas échouer, mon ami. Hein? Ok, monsieur, hein? Je vais essayer. Mais monsieur... Non, n'essaye pas, tu peux le faire. Ok, c'est bien, mon petit, tu peux partir maintenant. Donc c'est ça. En tout cas, merci, hein, merci pour tout. Je vais l'emmener à la maison, hein. Je vais gérer la facture, t'inquiète, d'accord? Merci. Papa, papa, papa. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi la semaine dernière. Ce qui s'est passé, on ne l'avait pas tous prévu. Mais c'est arrivé. Étant donné que tu es la mère de mon enfant, je veux m'assurer que tu es à l'aise. Je ne veux pas que tu traverses cette étape toute seule. Je veux être avec toi à toutes les étapes. Je veux que tu restes avec nous tout au long jusqu'à ce que tu donnes naissance au bébé. Je veux également prendre une dame de ménage pour prendre soin de toi. Une ménagère? Oui. Oh, non, 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 non. Comment tu veux employer une ménagère pour une autre ménagère? Une ménagère. Aweli, ce que nous sommes en train de... Ce que mon fils, mon neveu et moi-même essayons de dire, c'est que nous voulons faire partie de la grossesse. Nous voulons suivre tout le déroulement en étant là. Et enfin, jusqu'à ce que tu accouches, quoi. Et après l'accouchement, on va voir comment ça va se passer maintenant. Hein? Nous voulons que tu sois à l'aise, en fait. Juste sois avec nous, hein? D'accord. Papa, je vous remercie beaucoup. Depuis que je suis arrivé dans cette maison, vous m'avez traité avec amour et vous m'avez accepté tel que je suis. Je suis tellement reconnaissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et personnellement, j'aurais souhaité si je pourrais voir encore tant d'Yves.
Comme ça, je pourrais la demander pardon, mais je ne sais pas. Ah oui, et si je te disais que Eve est là actuellement? Hein? Eh oui. Ça va, Willy. Oh, maman, je vous supplie. Pardonnez-moi. Tu étais tellement gentil avec moi. Tu m'as traité comme ta sœur. Je suis désolée. Va, je Willy. Suis désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Eh bien, Eve, assieds-toi. Ah, Willy, assieds-toi. Asseyez-vous. Ah, Willy, maman. Ça va, Willy. Je suis désolée. Ça va. Ne commence pas à pleurer. Ça va. Je suis là parce que le chef me l'a demandé. C'est aussi une manière pour moi de te démontrer que je n'ai rien contre toi dans mon cœur. Je t'ai déjà pardonné. Eve, merci d'être venue. Je vous en prie, chef. Merci vraiment. Maintenant qu'on a fait la part des choses, je crois qu'il est grand temps de festoyer et de boire et de trinquer à cela. Ou bien... Exactement, monsieur, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mon frangin, allons. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui. Nous remercions Eve qui a fait le déplacement, qui a pu venir, qui est venue, qui m'a respecté et qui nous a respecté, nous tous. On remercie le Seigneur. On remercie le Seigneur aussi pour aujourd'hui, pour cette boisson. Et buvons, buvons à notre santé tranquillement. D'accord? Amen. 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 Ok, Aoulé, choisis ce que tu veux. C'est toi qui me sens ici. Les femmes d'abord. Exactement. En plus, ils sont deux. Hein? Ça, c'est nouveau, ça. En tout cas, tout le monde, prenez. Hein? Les filles font la même chose. Mais non, on ne sait plus qui est qui. Mon gars, c'est à toi maintenant de boire. Hein. C'est bien, mon gars. Moi, je vais prendre celui-là, ok? Ok, oui, prends ça. C'est qui? Mazé. Mon frère. Eh oui. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Maintenant, t'as roulé de retour. Oh. Hein? Mais je dis, il faut que je retourne ses affaires. Est-ce qu'elle n'est pas venue prendre le sac? Donc, je me demande bien ce qu'elle fait. Hein, si elle est toujours griot à la journée, c'est pas femme enceinte la nuit. Elle est griot, ou bien elle s'en va acheter, ou bien elle fait quoi? Je ne sais pas où. Donc, je suis venu déposer ses affaires. Merci beaucoup. Mais elle n'aura plus besoin de cela. Hein? Oui, elle en a mieux maintenant. Hey! Merci Seigneur. Oui, garde-la. Oh, pas pour moi. Oui, elle n'en aura plus besoin dès maintenant. Ok, comme tu dis qu'elle n'a pas besoin de ça, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais laisse-moi la voir un peu. Il y a longtemps que je l'ai vue. Hein. Laisse-moi un peu la voir. Ah, si oui, elle est sortie. Elle est allée chez sa tante. Eh! Ah, ça, Dieu merci. Tu peux passer la voir après, ok? Ok. À n'importe quel moment. Merci beaucoup pour tout. Ah, c'est ma scène, je t'ai dit. Donc, c'est ça, quoi. Donc, en tout cas, elle aura besoin, d'accord? Elle n'aura plus besoin. Ah, ok.
Salut là pour moi, hein. D'accord. Such a character. Mes excuses, tu me laisses toujours. Allez, je m'en vais et puis je suis en train de rentrer là. Je sais pas, tu as ton sac, non? Peut-être tu as oublié quelque chose et tu es venu prendre. Et tu as ici. Ma canne à sucre. Ma unique. Laisse-moi te dire un truc. Ce que tu vois ici là. Ce sont les affaires de ma sœur, hein. Ce sont les affaires de ma sœur. Elle va partir? Oui, elle est partie, elle est rentrée maintenant. Ok. Elle est partie sans garde, donc je voulais emmener ses affaires. Donc, ils m'ont dit de ramener les affaires que non. Elle n'a plus besoin de ça, c'est plus la peine. Donc on dit Dieu merci. Donc, prends ça à toi-même, d'accord? Cadeau. Quoi? Ou bien? Tu es fou? Allez, prends le sac et va la remettre. Va la remettre le sac toi-même. Oh. Tu es trop chaude. Ton sein est trop chaud. Tout le temps, quoi. Si tu portes ça là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer si tu portes ces habits là? Je ne vais pas prendre ça. Elle va enfin partir. Oui, elle est partie. Elle n'est plus là. Maman. Maman. Hey! c'est la première fois que tu viens et tu parles doucement. Tu peux parler, hein? D'habitude, tu viens, tu fromponnes. Tu aimes la chose. Tu ne l'aimes pas. Mais tu aimes la chose. Tu aimes trop ça, toi. Tu fais ça tout le temps. Tu veux... T'as pas de deuil, toi. T'as pas de repos. Tout le temps, tu veux faire ça. Te viens, on va tu veux faire ça tout le temps. Écoutez. Rentre, on va faire la chose. I'm your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. I go blow siren for you now. Make I cry for you. Now you be mama, yeah. Now you be papa, yeah. You go shine now, shine like morning star. Make I shout for you. Onto Colos. Isimo. Neme. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, maybe your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Awele, maybe your hype man. Anywhere I show, I bring up your ginger. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Your face show, your shoes shine, no time for say them say. Oh yeah, make a move for you. I go blow siren for you now. We want. Make I cry for you.
be mama, yeah. Now you be papa, yeah. You go shine now, shine like morning star. Make I shout for you, Onto Colos. Isimo!